Les enfants de Kate Middleton et du prince Harry n'oublieront pas le passage de Papa Noël à Kensington. Le 25 décembre, le prince George, le prince Louis et la princesse Charlotte ont reçu de très nombreux présents pour les fêtes de fin d'année. Mais leurs parents n'ont pas tout gardé. En effet, The Mirror rapporte que des personnes venues des quatre coins du monde envoient des cadeaux à la petite famille. Une belle montagne de cadeaux. Alors, pour ne pas que le trio ne soit pourri gâté, Kate et William entreposent certains paquets au sein des maisons royales. En 2017, un porte-parole de la famille royale britannique déclarait, « Certains produits seront emportés à leur domicile et d'autres dans les maisons royales. » Parfois, et quand ça s'y prête, les produits sont donnés à des organisations qui en feront bon usage. Les Altesses royales sont très reconnaissantes de la générosité et de l'attention du grand public à l'égard de leur enfant. Pas le choix pour le prince George, le prince Louis et la princesse Charlotte, il faudra partager. Un Noël chamboulé par le variant Omicron pour Noël, le prince William et Kate Middleton ont fait le choix d'annuler leur projet pour pouvoir rester avec Elizabeth II. En effet, la reine peut compter sur la présence de son fils, le prince Charles et Camilla Parker Bowles, mais aussi du prince Edward et son épouse Sophie. Pour rappel, la souveraine avait dû chambouler totalement son programme initial suite à l'évolution du variant Omicron au Royaume-Uni. Loading Widget.